Non mais j'ai pas l'idée, mais on le voit dans tes yeux. Il est fatigué ce soir. Ah ouais? Tu n'as pas limité. Non, il a trop d'idées justement. Ouais, ça. Il a trop d'idées, voilà. Il est sûr qu'il veut se réveiller justement. Ouais, ouais. Il retourne. Il insiste. Refus. Insiste. Refus. Puis à un moment donné, je vous l'aurai un top où celui qui refuse accepte. Et on reste dans les bras. Et du coup, on travaille à pudeur. On travaille l'intimité. Allez, s'il te plaît. Voilà. Non, lâche-moi. Et vous pouvez vous parler. Non! Et voilà. J'en ai besoin. Voilà, voilà. T'y retournes et là tu commences à lâcher. Alors t'y vas. Non. Voilà. Garde un petit peu Laura. T'hésites un peu plus longtemps. Vas-y. David. Voilà. T'hésites un peu, tu dis ouais, non. Ah bah non. Allez, hop, voilà. Voilà, plus longtemps. Je pense que ça aiderait parce que. Ça fait partie de la mise à nu du personnage en fait. Ça veut dire qu'on l'a même pas, on le rhabille même pas quoi. Et puis même pour vous, pour travailler la pudeur, de façon générale. Bah ça nourrit le personnage en fait. Parce que tu te sens vraiment en plus de ça physiquement, oui, mise à nu.